Maman, Eva Zaïba. S'il vous plaît. Victoire, Mama Bazaïba, réaction à chaud. Bemba a quitté Nabité. Devant une pisso et la miso. Émotion. Nazo rende grâce na Nzambe. Nabitumba ya mula zomi. Lokuta et matin à escalier et matin à ascenseur, vérité et matin à escalier. Il y avait maizali acquittement. Bongo, na voilà, na tondin zambe, na zo dédié victoire oyo. Na papa Jano Bemba Saulo. Na zo dédié victoire oyo. Na maître Liris Kwebe. Na fessi merci na ba avocat nyonso maître Hans. Na équipe nyonso maître Taylor. Et puis, on a félicité le président Jean-Pierre Bemba. Pendant 10 ans, à Kangi Mounokonaye, à Tikinzambe, à Sala, à Tikali Kolobate, obligation de réserve pendant 10 ans. Et vous imaginez ma joie, mon kumba oyona mema qui va finir ngai na mokili. Balobi maman, n'engeni ni on dit ni au travail na criminel. Nga na ebisi bango azali criminalité. Même Jésus babaka qui est na ekulusu, kasi innocence na ye ye banaki. J'étais convaincu. Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné cette grâce. D'être à l'origine de ces grands hommes, ces visionnaires. Moi, en tant que mère, je vais continuer à l'appuyer. Tia Koko Nzambo Kakongo pour la merci à ma militant Nyonso, Bana Poto. Merci à ma militant Nyonso, la République démocratique du Congo. Je suis pendant le mois de Ramadan, toujours musulman. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que la vérité a triomphé. Nous avons toujours plaidé non coupable depuis 10 ans où cette affaire m'a donné des migraines pendant 10 ans. Aujourd'hui, c'est l'acquittement total et la mise en liberté immédiate du sénateur Jean-Pierre Bemba. Je rends grâce à Dieu, je félicite les avocats qui ont été tenaces et je dédie cette victoire à son père, le feu Jano Bemba Saolona, là où il est paix à son âme, et je dédie la même victoire à maître Liris Kwebe, le grand Liris Kwebe, paix à son âme, et je félicite l'équipe de maître Hans, Peter Hans, maître Taylor et vous tous qui avez soutenu. À tous les martyrs du combat de la liberté, tous les militantes et militants, tous les militants et militantes du MRC, en Europe, en Amérique, en Asie, à l'Océanie, en Afrique et précisément en République démocratique du Congo. Nous rendons grâce à Dieu, nous ne sommes pas revanchards. Jean-Pierre Bemba, c'est un rassembleur. Nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait souffrir pendant 10 ans. Le plus important pour M. Bemba, c'est de recouvrer la fonction de père. Il doit être à côté de son épouse et de ses enfants. C'est de retrouver sa fonction d'homme d'affaires. Il doit redorer ses affaires et enfin de se retrouver à côté de sa famille politique que nous sommes. Je me félicite, je rends grâce à Dieu de m'être, d'être dans la situation de soutenir cet homme avec grand visionnaire. À tous les militants et militantes, tous les sympathisants du MRC, félicitations. Et à toutes les personnes éprises de justice, félicitations. Félicitations. Et pour nous, nous considérons ces 10 années comme étant des 10 années tout simplement de retrait pour rebondir, reculer pour mieux sauter. Peuple congolais, soyez dans la joie. Aujourd'hui, je suis en train d'imaginer toutes les villes de la République démocratique du Congo, vous serez dehors jusqu'à nuit blanche pour rendre grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Merci, maman. Je vous ai dit, le plus important, c'est qu'il recouvre d'abord la fonction des pères.
un monsieur qui a été détaché de sa femme et de ses enfants pendant 10 ans. Il doit d'abord rentrer, s'imbiber d'abord de la situation de la famille. Il doit aller s'incliner à la tombe de son père. Il doit aller d'abord s'occuper de sa famille.